Guy 18. Salut tout le monde, c'est Zulu, on se retrouve pour un épisode de Amnesia Dernier Arrêt à Scène. Je suis sur le mini pause, c'est normal parce que notre petit gars là-bas de l'épisode dernier arrêtait pas de parler, alors j'ai préféré mettre en pause, comme ça je vous fais l'intro tranquillement. Alors, on va poursuivre. Alors, on lui a donné l'espèce de truc corrosif à lui là, et il nous a demandé de lui couper la tête, un truc comme ça, non? C'est pas un truc comme ça? Attendez, Memento. Agrippé veut voir sa tête sciée, ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Et j'ai remarqué également que ça s'est ouvert. Donc je vais aller voir ce qu'on a là-bas. Ça m'intrigue. M'intrigue de savoir ce qu'on va avoir ici. Pourquoi il veut qu'on lui coupe la tête? C'est un peu bizarre quand même. Ah, bah la scie à os, là voilà. Comme ça s'est fait. Ah, vous voulez du sang encore? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, bah comme ça c'est réglé. Not many orbs are left. They sometimes consume themselves or break. Bah désolé mon gars, hein, mais du coup voilà. Aïe. Ok, j'ai la tête d'Agrippa. Pourquoi pas? Bah du coup on va essayer de repasser à la porte du fond, hein. Juste relancer mon chrono, pardon. Ok. Eh bon, on y va. Ok, c'est parti. Donc là, c'est là où on s'était fait agresser la dernière fois. On était venu. Est-ce qu'à votre avis, ils vont nous foutre la paix maintenant? À mon avis, il nous faut toujours pas la paix. Donc on va y aller en mode tranquillou, tranquillou. Lui, il est passé à droite. Bon, écoutez, on va aller tout droit. Hein. Là, on peut pas y aller. C'est soit tout droit. D'ailleurs, c'est quoi cette salle, mon dieu? On est où là, sans déconner? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ok. Pied des salles, le président de l'église a un creux dans lequel un orbe pourrait rentrer. D'accord. Vraiment heureux de le savoir. Ah, chouette. Il y en a pas l'adhésif. Et devinez où est l'adhésif? Chez notre copain. On a rien ici. On a rien ici. Très bien. Eh bien, allons-y. Quoi ça? Ça, j'ai pas confiance en ce machin, je sais pas ce que c'est. P
pire, je me fais buter. Hein. C'est une salle de machine. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ah! Débile. Débile. Un truc grand pour bloquer les roues. Je vois rien à première vue. Potentiellement dans la salle de là-bas. Potentiellement quelque chose ici. J'ai pas envie de choper ça. août 1839. Je ne peux pas croire ce que je suis devenu. Une des filles s'est échappée. Je l'ai poursuivie jusqu'en haut des escaliers, je l'ai chassée et... Qu'est-ce que je peux bien valoir une vie? Combien de vies est-ce que je peux prendre avant d'abandonner la mienne? Oui, je tuerai un meurtrier pour sauver un innocent. Mais tuer un innocent pour me sauver? Un tueur de sang-froid. Attendez, est-ce que je peux prendre... Est-ce que vous pensez que je peux choper une des roues, là? Non, je peux pas. Dommage. Et après, j'arrive ici. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour bloquer ce truc? On va essayer de prendre ça, hein. Attendez, c'est quoi ça? Oh, on s'en fout. Un seau de goudron. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ah, ou alors c'est pour attacher. Ah bah je sais pas alors. Bon, le saut de goudron à mon avis c'est pour coller les pièces ensemble. Vu que le goudron ça colle. Pas très logique. Ok, tout va bien. Ok, j'ai eu peur du truc là-bas mais c'est normal. Ok. On va coller les pièces ensemble du coup, hein. Voilà. Et la dernière, attention. On va éviter d'avoir un monstre qui me tombe dessus. Allez. On sait qu'il faut que j'y aille. L'orbe n'élimine pas la barrière de lui-même. Quelque chose doit être fait avec les mécanismes. Fuck! Bon, alors quelque chose de long, de solide. J'ai plus trop de...
idées en tête, hein, pour être franc. Là, je vois rien en tout cas. Peut-être, non. Non, rien. Ah! M'effraie à chaque fois ce truc-là. Une caisse, ça m'étonnerait. Un caillou? Peut-être un caillou. Caillou. Qu'est-ce qui se passe? 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 Que passe? Ok, on a dit, il faut retourner là-bas. J'ai entendu un monstre que j'aime pas trop. Oh fuck. C'est qu'il est parti là? Je peux pas prendre une arme ou un truc là pour lui jeter à la gueule? Ok, il est plus là-haut. Il n'y est plus. Il est là-bas. Il est à gauche. Là-bas. Ils sont deux, non? Mon marteau? Où est mon marteau? Je crois que j'ai vu. Je crois que je les ai vus à deux. Pire, j'ai un marteau, je leur balance dans la gueule et je fuis en arrière. Il y a une porte. Ah si, c'est normal. L'orbe a cassé, d'accord. Ok. Sanctuaire intérieur. Bah allons-y. Ok. Je pense qu'on est à la fin du jeu, tout doucement, je pense qu'on se rapproche de la fin du jeu. Ok. Descendons dans les abîmes. J'entends comme une poursuite là, non? Ah, ok. Où est-ce qu'on est là? Aïe! Ah ok, on a assigné un patacle, ok.
Et après? On fait la suite? Deuxième sacrifice? August 1830. 19 août 1939. Ce n'est pas juste, je ne suis pas à blâmer. J'ai été manipulé par ce démon. Il a joué avec ma conscience de coupable et m'a dupé. En me laissant affronter seul l'ombre, cet homme vil et conspirant. Est-ce qu'il croit que je vais affronter ma fatalité alors qu'il vole plus de pouvoir qu'il n'en est possible d'en imaginer? Alexandre, je te tuerai pour ce que tu as fait. Si seulement l'ombre m'avait attrapé à Londres ou en Algérie, je n'aurais pas subi à subir cette humiliation. Tu as fait de moi un meurtrier, un monstre. Et maintenant, j'attends simplement ma mort. Je suis bien trop faible pour continuer. Je peux à peine tenir debout, car mes genoux me font défaut. Et je ne peux rien voir, car mes yeux sont inondés de larmes. Je suis tout aussi brisé que les hommes que j'ai torturés. Si seulement je pouvais me débarrasser de cette peur, tout comme j'ai fait avec eux. Alors. Mais c'est quoi en fait? On ira à un robinet, mais pourtant, je me fais. Bizarre. Bon, j'ai fait des deux côtés, et maintenant? Non, toujours pas. Moyen de l'ouvrir. Ça, c'est ouvert. Y'a pas d'autre levier par hasard? Non. Là et non, parce qu'ici je suis déjà allé là du coup. Utilise le sang pour le rituel. Ici. Apparemment oui. Allez Daniel, tu peux le faire. Relève-toi. Oula, il y en a plein de ces trucs là. Ok. Aïe. Ok. Sur scène gravement. Chambre de l'orbe. Allons-y. Allons-y. Ok. I was wondering if you were going to show up. I see Agrippa convinced you to run some errands. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and evil. Such comforting concepts, but hardly applicable. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa?
Pas par là. Comment je... Qu'est-ce que je suis censé faire là? Ah. Une fois. I realize you doubt my intentions. Why would I take such extreme measures to save your life? Maybe I'm saving mine too. Stop it, Daniel. You are wrong. We are so close, I beg you. I'm just like you, Daniel. A prisoner of circumstance, trapped in a world I no longer recognize. No, you fool! You killed us! You killed us both! Juste petite question, je suis désolé. Ah, d'accord. Je voulais vous couper pendant pendant la cinématique, mais je me suis trompé de bouton. Désolé. Reprenons. It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid, fleeing Brennenburg? Huh. Quite the contrary. I knew it was my purgatory, hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done. But I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. Je pense qu'on est à la fin du jeu là. Ah bah oui. Alors, que dire du jeu? Que dire du jeu? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le jeu. Et une ambiance excellente. J'ai rien à dire. Le Amnesia, ça doit être le premier. Il a une ambiance qui est monstrueusement bien. J'ai eu des très bons moments de flip aussi dans le let's play. Plutôt rare. Même si on jouait quand on jouait à du Evil Within ou même du Outlast, j'avais flippé un peu au début, mais après ça allait. Alors que là, le monstre continuait de me faire flipper. Vraiment, c'était vraiment bien bien dosé, c'était bien nickel. Alors, attendez, juste deux secondes, moi je me baisse un peu le son. Vous, ce sera baissé au montage. Le jeu est vraiment une bonne pépite. À jouer une fois, à essayer une fois. Le refaire, peut-être pas. Peut-être pas le refaire, ou en tout cas pas de sitôt, c'est sûr. Parce que, comme dit, ça reste quand même un ancien jeu. Mais le jeu est très sympa. Graphiquement, je peux pas dire que c'est une beauté graphiquement, clairement pas. C'est un très vieux jeu, comme vous avez pu le voir, les textures sont encore assez moches. Mais, même si les textures sont moches, personnellement, ça m'a pas dérangé. Parce qu'en fait, l'histoire autour est bien, la pression que te met le jeu, t'as envie de continuer de jouer malgré les graphismes un peu déroutants. Et franchement, j'ai bien apprécié. Maintenant, parlons de l'histoire du jeu. Au début, on comprend rien, et ça, j'adore. Au début, on ne comprend rien. Pourquoi on débarque dans ce manoir? Qu'est-ce qu'on fout là? Qui on est? Progressivement qu'on avance, progressivement on apprend des choses. Et je trouve la fin assez sympa, même si je reste encore un peu dans l'incompréhension.
Parce que du coup, ce qu'on a fait, ça a servi à quoi, concrètement? Ok, on a arrêté. J'ai de nouveau oublié son nom. Alexandre? Je crois que c'était Alexandre hein, qu'on a vu, hein, l'espèce de fantôme à la fin. Hein. Mais du coup, nous, pourquoi on a décidé d'oublier tout ça? Parce que l'une des premières notes qu'on avait, c'était justement, tu sais déjà ce qu'il y a au fond, mais tu as décidé d'oublier. Mais pourquoi? Pourquoi tu l'as pas arrêté dès le début? Ou enfin, qu'est-ce qu'il comptait faire? Alors, si, on sait qu'il voulait rejoindre un autre monde, ça on est d'accord, ou qu'il voulait nous sauver tous les deux, mais ça reste très flou quand même. Donc, si vous avez, vous, de votre côté, une idée sur ce qui, sur la signification de la fin du jeu, dites-le-moi dans les commentaires en dessous. Je serais très curieux de vous lire et ça me permettra de peut-être un peu mieux comprendre la fin de l'histoire. Dans tous les cas, moi, de mon côté également, je vais faire des recherches pour savoir, pour comprendre la fin de l'histoire également de mon côté. Mais n'hésitez pas vraiment à donner votre avis dans les commentaires, histoire de, peut-être pour d'autres personnes qui n'ont potentiellement pas compris. Voilà, ça peut toujours servir. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on a autre chose ou est-ce qu'on arrive sur les. Ou est-ce qu'on va revenir au général? Ouais, on va revenir là. Alors par contre, personnaliser l'histoire. Non. Ok. Ok, donc c'est tout ce qu'on a. Il me semblait qu'il y avait une histoire secondaire. Personnaliser l'histoire. Je comprends pas personnaliser l'histoire. J'ai rien comme histoire perdante. Je sais pas. Je m'y connais pas assez, mais en tout cas, on va s'arrêter sur le jeu principal. Le prochain let's play après Amnesia. C'est la suite. C'est quelque chose que je vous avais promis normalement à la base. Qui devait arriver normalement à la place d'Amnesia justement. Mais qui n'a pas pu se faire parce que justement mon PC n'était pas assez puissant. Maintenant c'est le cas. Maintenant c'est le cas. Mon nouveau PC va arriver dans les quelques jours qui arrivent. Donc en fait à l'heure où vous regardez cet épisode, mon PC est déjà arrivé. Il sera probablement déjà monté, déjà prêt à l'emploi, et j'aurais peut-être même commencé déjà à tourner, probablement même commencé déjà à tourner des épisodes du prochain jeu. Donc c'est Resident Evil 8 Village que je ferai, donc après Amnesia. Bien, je vais vous laisser là, je vais pas trop vous prendre votre temps, surtout que la plupart des personnes sont déjà parties, parce que entendre quelqu'un qui blablate dans le vide, ça n'intéresse personne, je suis d'accord. Moi le premier d'ailleurs. Bref, sur ce, on se retrouve dans 4 jours pour le début du let's play sur The Resident Evil, ou Evil, ou comme vous voulez, 8 villages. C'était The Luz, ciao tout le monde, et à une prochaine. Allez, ciao.